pas à côté nous aller, moi t'ai pour un petit pause en l'air en prédication. Les 10 postes les plus manquants dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Nous t'ai gardé ça et nous t'ai pour un texte de base. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est verset 35 à Matthieu 9. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui s'est dit, priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a prié pour qui ça? Ouvriers. Ce n'est pas un moisson nous, hein. Dans ça, la moisson appartient à. Appartient à. Merci Seigneur. Prions. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour ton amour. Merci encore, Seigneur, pour chacun qui permet de venir ici. De nous croire que yo brisin. Un seul mot parle. Nous prions maintenant, Seigneur, que tes paroles touchent chez monde, que tes paroles joignent avec condition nous. Seigneur, merci encore pour vous qui parlez encore chez nous chacun. Permettez Ishou comprendre la parole. Et quand la parole est tombée dans la bonne terre, Seigneur, quittez-vous touché par puissance parole et mène guérison, mène la victoire, mène la délivrance pour chacun qui attend nous. En nom de Jésus, nous prions pour gloire. Amen. Alléluia. Bien. Si nous comprenons bien, il n'y a besoin qu'on nous dit, dernière fois, nous regardons bien souvent les hommes qui gourmet pour toutes les postes qui plient, en fait, plient connaître ou habituer tant. Mais l'année des postes, en fait, qui a vraiment manqué et pour faire l'église avancer. Bien sûr, la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 11 à 16, qui parle nous de go postes, de non nous habituer tant tout le temps, comme des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça, c'est des go postes, ça, c'est des bagailles mon aimé. Appelé non yo. Mais c'est les autres petits qui sont importants, en fait. Excuse-moi. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu, nous pas Dieu et maintenant ça là. Nous te garder premier comme pécheur d'homme, Jésus. Avant nous, les apôtres, les Jésus appelé yo, ils partaient simplement dire venez moi quand ils faisaient apôtres. Non. Amen, alléluia.
Jésus en tant que disciple mais là où il joint Pierre dit vini moi qu'il fait ça pécheur. Mais il y a un objectif nous là pour nous ça chercher l'âme pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues dans le monde. Il faut que nous fassions diligence en fait de chasser prier Dieu pour chercher ces hommes-là. Ils ont besoin de nous, bien-aimés. Ou pas quoi ça? Ou pas quoi ça? Bon, pas quoi. Ils ont besoin de nous. Amen. Donc, lorsque nous constater, nous garder, nous avons un péché d'homme, nous avons dans Matthieu chapitre 4, verset 17 à 19, pour ne pas aller. Nous ne pouvons pas garder tout. Amen. Nous ne pouvons pas lancer ce texte parce que nous avons déjà passé là. Deuxième, alléluia. Nous garder. Merci Seigneur. C'est chasseur d'hommes. L'année des brebis qui partit partout, garé. Avec bon Dieu qui a voué nous aller chasser en Jérémie 16, 14 à 16. Il dit qu'il cherchait partout. Bon Dieu voulait venir. Il voulait retourner à la maison. Ça, c'est ça qui a cacheté, ça qui a couru, ça qui a parti. Parce qu'il y a des mondes, vous savez, bien souvent, on voit qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais ils sont déjà chités. Parce que leur pensée n'est pas à l'église, leur pensée est ailleurs. C'est les choses du monde. C'est un jour, nous avons que nous parlons. Lorsque nous parlons, bon Dieu, quand vous allez chercher, allez chasser là, nous te voyons les semaines. Alléluia. Mon pour simé. Qui ça nous a simé? Et comment nous a simé? Côté nous a simé. Nous avons tout ça. En simé à la vie des autres. Alléluia. Et quatrième là, être gardien de mon frère. Alléluia. Être un gardien. Combien de gardiens nous avons aujourd'hui? Merci Seigneur. Combien de gardiens nous avons aujourd'hui? Gardien de mon frère. Donc, dernière fois, si vous voulez ça, on dit donc, il mais. Alléluia. Moi, je suis 8 points. Gardien de mon frère. Il y a des mauvais gardiens. Moun qui a tout blé moun. Et pour l'instant, nous devons être un gardien. Regardez rapidement qui est un gardien parce que temps nous a passé presque 10 heures. Waouh! À nous voler. Genèse chapitre 4, verset 19 à 10. Genèse chapitre 4. Désolé, ou pas, on m'a dit bêtise. Genèse chapitre 4. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4, 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Qui ça vous l'a dit? Hein? Je ne sais pas. Est-ce que moi, c'est gardien, frère, moi? Amen.
Vous savez, Jésus a posé une question, puis il a répondu, il a répondu à une question. Où est ton frère? Ah, Caïn. Alléluia. Pendant du temps, il s'est gardé frère, mais il a fini de frère. Donc c'est vrai, il dit pas gardé frère. Le gars a tué son frère. Il a fini de tuer. Il a tiré quelque part. Et qu'il avait la main, en rien n'était. Je suis clean. Je suis innocent. Mais pour que l'on a fini de tuer frère, et qu'il a dit, mon Dieu, est-ce qu'il s'est gardé frère? Oui, lorsque nous faisons des crimes, nous toujours qu'à chercher couvert sa délai. Mais ça ne peut pas rester caché. Dieu, mon, ça ne peut pas rester caché. Ça ne peut pas rester caché. Bon Dieu, qu'a découvert tout autant. Bon Dieu, qu'a découvert tout autant. Alléluia. Pour un homme, un gardien de le frère. Alléluia. On nous lit 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 12. 1 Jean 3. À nous, pour être un gardien, l'amour doit exister entre frères dans les mêmes fois. S'ouvre et gardien. S'ouvre et gardien, frère. Ou pour ça, ni même l'amour et même foi avec lui. Alléluia. Alléluia. S'ouvre ni même l'amour pour lui. S'ouvre ni l'amour pour lui. Ou qu'il toujours tué avec deux ou pas gardien. Eh oui, mais est-ce que vraiment il y a l'amour? 1 Jean 3, 11 à 12, qu'est-ce que ça dit nous? Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Regarde, bien, pas pour aimer, voyons. Aimer les uns les autres. Tout ce temps, nous attendons bon Dieu qui a parlé de nous tellement d'aimer. Je ne sais pas de quelle manière nous faisons comprendre ça encore. Alléluia. Je ne sais pas si un prédicateur, ce jour-là que j'ai passé ici, qui peut parler nous de l'amour. Oui ou non? Oui ou non, chrétien? Donc nous devons être aimés. Pour être un gardien, il faut aimer. Continue. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oui, ça bien. Caïn n'a pas tué frère parce qu'il était en vie. Son œuvre était mauvaise. Tandis que celle de son frère était juste. Des gens qui ont trop de l'air, ce n'est pas parce qu'ils sont pas bon, non? Parce que de l'air, ils sont jaloux. De l'air, ils sont jaloux, ça on est. Pardon, de l'air, ils ne peuvent même pas voir ça on est, ils n'y valent. Pardon, pas même ça, ils ne peuvent pas menacer pour trop rouler. Regarde à ton prochain, dis, prends soin de ce que tu as. Et oui, parce que l'autre monde j'ai convoité, il va. On respecte jamais ce qu'on a. Amen. On apprécie jamais ce que Dieu nous a donné. Tout le temps, nous ne pas perdre. Nous, un monde qui a voulu convoiter nous et qui a tué pour lui, nous pas qu'à voir important. Mon frère, pas sous-estimer ça, bon Dieu, Jabao. Ma sœur, respectez ça, bon Dieu, Jabao. Aimez ça, bon Dieu, Jabao. Parce que l'autre monde, j'ai convoité et pour tuer pour lui. Pour que la tuer, frère, parce que Zevli était mauvais. Et pour l'instant, il avait cette chance. Parce que ce n'est pas contre Caïn, bon Dieu, tu as un problème, mais c'est contre Zev.
Dieu avait un problème avec ses œuvres. Ses œuvres étaient mauvaises. Ils font un sacrifice pour connaître l'histoire. Et Bougla, Abel, pour un plus bel agneau a été ni un. Ça qui était plus bon et qui portait pas mon Dieu. Comme offrande. Mais il dit Caïn pour Adam, ses fruits a été ni Adam. Qui était sortant dans le champ, mais il n'a pas aimé d'où il prend primaire. Voilà lorsque nous croyons que bon Dieu a accepté toute bêtise que nous avons fait. Bon, je vais donner ça à Dieu parce que. Mais comment nous allons faire sacrifice nous, bon Dieu? Est-ce qu'il y a sorti des fous pour fond chez nous? Comment nous allons mimirer? Est-ce que nous allons mimirer, pardon, nous allons offrir à Dieu? Est-ce que ça fait nous la peine pour nous que nous ne sommes pas bon Dieu, pas bon Dieu, pas bon Dieu? Et nous avons mimiré contre bon Dieu. Ah, depuis que je suis là, je suis là. Ça qui est doux. Et Satan a commencé à faire nous tirer nous en les bénédictions que bon Dieu a tout pris pour nous. Et qui a fait commencer à garder frère avec soeur qui a prospéré et qui a prospéré. C'est ça qui est arrivé Caïn. Et il a tué son frère. Mais Dieu dit non, pas fait comme Caïn. Amen. Gardez 2 Corinthiens 6, verset 13 à 18. 2 Corinthiens 13, 6 à 18. 2 Corinthiens 6. 13 à 18. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Amen. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Mamaï, Dieu qui a cherché un peuple qui a séparé quoi de tout ce du monde. Vous savez, c'est ce bagage-là que nous avons convoité dans le monde. C'est ça qui a changé nous. Vous savez, ce bagage-là nous avons convoité bien souvent. C'est ça qui a mis nous indifférents avec frère nous. Avec ses noms. Nous mettons quand nous un bon mauvais jouk. Quand il était avec bon Dieu, mais il brillait et qu'il prêtait vrai, il était préféré écouter malin qui a dit tu es frère. Parce que Zévli, bon, t'as pas mauvais. Bougla Jacques a fait quand il voit Zévli mauvais. Et pour l'instant, bon Dieu, tu as un choix. Moi, il m'a marqué, en fait, là, dans ce texte, l'homme était comme un parmi mauvais monde, ça a changé. Amen. Nous avons un petit proverbe, nous avons dit que nous avons fait un petit cadeau qui nous a fait. Nous avons fait un petit cadeau qui nous a fait. Ou chrétien. Mais où est maintenant ça, mon le monde qu'a dit? Ou chrétien, mais où est ressembler à mon le monde? Ou chrétien, mais où voulez ni apparence mon le monde? Ou qu'a échité ta mère? Ou a échité? Ou chrétien, mais musique le monde qu'a dit ou plus que musique chrétien? Ou plus facile à danser en la musique le monde
parce que vous dansez par bon Dieu. Ou j'achite. Nous avons dit en créole Saint-Lucie, check-o. Ça veut dire, fais attention. Ou en un mauvais jour. Il dit, ou pas sa temps, bon Dieu, et ou c'est temps, Satan. Ou pas sa mamaï, bon Dieu, et ou c'est mamaï, Satan. On souche. Pas qu'à voyer décalter glo ou qu'à voyer yon seul. Soit ou chrétien, et bien soit ou chrétien, soit zion. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Chrétien, yon bel, je suis chrétien. Mais côté Zev là, non. Pour moi, un chrétien, si vous comprenez bien, how do you say that? Christ-like, comme Christ, ou est semblant à Christ. Ça, c'est ressemblance à Christ, ça? Bagaye le monde blanc qui a attiré nous. Tout ça, le monde qui a attiré nous, passez bon Dieu. Passez bye bon Dieu. Vis le monde là en dit dans nous, nous pouvons vle la Dieu, mais nous voulons bon Dieu, nous voulons Satan. Comment nous faisons un bon gardien? Quel gardien nous y est? Est-ce que nous sommes un bon gardien de encourager l'autre là? À nous faire. La Dieu ça. À nous persévérer. C'est pas ça que bon Dieu dit. Mais c'est sa parole à dire. Où ça fait? Si bon Dieu délivre, mais ça délivre aussi. Oui. Mm-hmm. Gardez avec moi Ecclésias chapitre 4 9 à 12. Ecclésias 4 9 à 12. Regarde. Ecclésias 4 Verse 9 à 12. 9 à 12. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. S'ils tombent, l'un relève son compagnon. Ou ça malheur pour un homme là, on y a un compagnon, et ou tomber avec compagnon, à part qu'on même ça vous tomber. Hein? Deux voix mieux. Valeur, c'est ça? Valeur. Que? Si on tombe, l'autre relève son compagnon. Dis-moi, les compagnons tombent, on va relever et bon, on va pousser plus fort. Oui ou non? Oui ou non, frère? Les compagnons nous tombent, ça nous a fait, nous a poussé plus fort et nous a relevé. Amen, alléluia. Tant ça, il dit, continue. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oui! C'est pour ça que je crois que personne ne peut être seul. Amen. Malheur à celui qui est seul sans... Et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc là, vous voulez servir bon Dieu tout seul. Moi, vous voulez servir bon Dieu moi tout seul. Ça fait corps chrétien. Je suis tout seul. Je sers bon Dieu tout seul. Les saluts et personnels. Mm-hmm. Nous allons mettre le texte là n'importe côté en affaire nous pour nous supporter bêtises que nous avons fait. Mais là, nous ne pouvons prendre le texte là pour changer la vie. Nous ne pouvons pas prendre une pièce. Alléluia. Donc, on ne peut pas pour seul. Non. Bon Dieu, pas fait, on ne peut pas seul. Qui ça écoute ça? Malé. Amen, alléluia. Oui, alléluia. Donc, frère, moi, avec ça, moi, je crois que bon Dieu voulait nous toujours, ni moun à la vie, nous, qui aide nous, vivre et monter la pente.
des bons frères, des bons soeurs qui ont encouragé nous à avancer. De pouvoir se décourager, un monde qui a découragé, ce n'est pas un ami. Non. S'il y a quelqu'un qui parle mauvais dans notre tête, des bêtises, des paroles, pour décourager nous, nous toujours ensemble, et que c'est rien qui critique ou qui attend dans les oreilles, coupez le point avec lui. C'est un monde infréquentable. C'est un monde qui n'est pas bon. C'est ici qu'il y a ça, on gâte de zé, on gâte de ban. Oui, vous connaissez ça? Je crois qu'il y a un gâte de zé, on gâte de ban. Un monde infréquentable. Parce qu'il n'y a pas encourager les gens pour venir ensemble. Il y a toujours qu'à chercher un petit disani, un petit problème, un petit bagaille pour mal parler les gens. Parce que les gens qui mal parler les gens, ça peut diviser les amis. Et ça qui est plus difficile ensemble, bien souvent, mauvais a arrêté et bon a parti. Oui, oh Seigneur Jésus, aie pitié sur moi. Alléluia. Verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. C'est pas vrai. Hein? Mais oui. Donc, comment je peux dire, j'ai pas besoin de mon frère. J'ai pas besoin de ma soeur. Moi, quand ça vit, bon Dieu, moi, tout seul. Bon Dieu, quand parler, ben, tout oui. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est ensemble nous qu'a fait. Ensemble nous qu'a allé. Amen, maman. Nous passons à vivre la vie chrétienne tout seul. Dieu dit ça ensemble. Il faut nous être ensemble. Nous faisons l'autre. C'est ensemble nous qu'a ni chalet. Oui, alléluia. Amen, alléluia. 12. La fin du verset. Ils vont finir. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? L'homme seul, comment aura chaud? L'homme va l'hiver à la donne. Alléluia. Amen. Et vous pas dit, vous avez pas dit que 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 vous avez chaud. Nous avons béni Seigneur. Alléluia. Deux et douze. Ça nous allait. Fini et bizarre. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Wow! Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Facilement cassée. La vie chrétienne, c'est deux et trois. Eh oui. Deux et trois. Ça veut dire que bon Dieu a toujours couillé nous à l'unité. Amen. Être unis. Amen. Dieu a toujours cru à nous être unis, Dieu et toi. Et même du côté Dieu et toi, c'est là, il y a eu milieu. Moi, je voulais être seul. J'ai fait mon affaire. C'est ça, mes affaires. Amen. Moi, j'ai fait mes affaires. Moi. J'ai fait mes affaires. Mon petit truc, c'est mon affaire. Mes affaires. Ne mélange pas. Je n'ouvre pas des portes pour vous. Sors de là. Amen. Mais vous savez, c'est là que nous prions donc que nous avons besoin de nous. Et nous avons besoin de nous. Dieu qui a appelé nous être ensemble. Amen. Alléluia. En fait, il ne faut pas nous être. Ne sois pas un gardien comme les frères du fils prodigue. En Luc chapitre 15. Verset 25 à 31. Vous savez, moi, mais l'histoire t'as là. Mais, moi, quand plutôt garder, à part du côté, à garçon dit qu'à vie. C'est une belle histoire. Parce que garçon, ouais, il y a dans un mauvais état d'âme. Il faut y vivre vers un papa. Amen. 25. Vous voyez ça? Luc. Chapitre 15. Regardez ça. Lisez ça rapidement.
Or, le fils aîné dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Mm-hmm. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Mm-hmm. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mm-hmm. Et quand ton fils est entré, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Alléluia. N'oubliez ce texte-là. N'oubliez-nous. Luc fait nous savoir 15. Il tient un papa qui tient des riches. Il a décidé qu'il prend tout bien. Il a parti. Il dit, père, pas moi bien. Moi travaille pour lui, pas moi, pas bien, moi, ça qui est venu pour moi. Vous savez, on héritage toujours partager. Mais cet homme batte qu'à attendre papa est mort. Il voulait héritage lui avant. Il fait encore nuit, oui. Il allait dépenser bien, il doit aller dépenser, prostituer, vacabon, yo bre, yo manger. Après, il finit. Tout ça, il finit, il pas rien, tout le monde lâche. Vous savez, c'est comme ça l'homme est. L'homme là est pour l'homme. Avec des pour pas encore, le monde lâche. Vous comprenez ça bien? Bien souvent, le monde ses amis, c'est parce qu'il a joué en bas. Mais le moment arrivé, c'est. Ou qui kaini pour brer dans le biné là, tu m'en passe ça, ou sec. Il a dû débrouiller pourquoi? Bien souvent, c'est comme ça, n'est-ce pas? Garçon, tu veux quoi? Il y a donc pas de cochon qui a mangé cochon. Pas ni aide, pas ni soutien. Et qui change papa. T'es ni bien, t'es ni l'argent, t'es ni bagay, t'es ni sauvant. Regardez l'esprit. Il dit. Mais gars pas gay papa moi ni mais si moi vivre moi apprends pas bien maman quand dit mais moi préfère vivre comme un servant gay papa moi plutôt un serviteur faire mon serviteur pas même faire mon riche faire mon serviteur parce que moi apprends pas bien moi apprends ça qui gavane moi pas même rester héritage encore ma rien hein. Moi père ton fils ça veut dire qu'il humilie quoi. C'est ça que la Bible a dit, il repentit et qu'il convertit parce qu'il retournait. La conversion, c'est ça. Où est l'état où avec vous faire un demi-tour et vous vivre. Eh bien oui, c'est ça qui convertit. Si nous convertit avec ancien l'état nous qui fait nous plaisir et bien qui attire nous toujours, ça veut dire nous pourquoi convertir. Personne qui a quitté ancien l'état était yé. Et connaître que Christ j'a sauvé ou pas qu'à retourner en mauvais état où tu es avec pour ensemble semblance passo moi ou qu'à savent en 2 Corinthiens 5 17 il a dit si un homme en Christ il c'est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est un chrétien qui convertit. Eh bien, c'est ça, fils Podigla. Il met en pratique, il dit, moi, pas ça, garde dans l'état, moi, là, mais là, il retourne vers papa, moi. Oh, alléluia. Moi, t'es trop bien. Manière, moi, t'es trop bien. Ma ça reste là. Mais il faut que moi retourne. Il faut que moi fasse demi-tour. Et retourne. Et avant d'arriver, il voit papa et papa était déjà à attendre. C'est l'état, nous. Lorsqu'on est dans un mauvais état, Dieu il est disposé, il est là. Même si on n'est pas disposé, mais bon Dieu, il est toujours disposé. Même si on n'est pas voulu nous, mais bon Dieu toujours voulu nous. Même si on femme pas voulu nous, mais Jésus toujours voulu nous. Même si on frère pas voulu, mais Jésus toujours attend nous. Bois ouvert et cadeau, vini frère, vini c'est. Même si on monde pas voulu comme compagne, mais bon Dieu toujours qu'attend et qu'a dit moi c'est compagnon. Moi là qu'attend nous. Alléluia. Alléluia. Qui n'est-ce nous pénit plus qui bon compagnie parce que bon Dieu.
Oh, on retourne vers papa. Frère, il attendit. Il a dit qui ça qui allait la musique, frère. Qui ça qui allait la vogue, il a fini tuer, frère. Qui ça qui allait la encore, frère, oui, tourner. Qui ça qui allait, eh bien, frère, plus belle à nous qui t'en doit, papa, les amis, d'autres frères ou la frère. Et qui ça qui va encore, ou quand j'ai une belle robe, là, papa, ou tenu là, moi, je comprends que c'était bas ou, mais c'est bas, bas, ici, il y a, il fait. Mon gars m'a crié, avec mal parlé. Qui mettait Bouglan dans si tellement mauvais l'état. Il pas même en toi en caille là. Vous pouvez imaginer? Et qui vient fâché. Et qui vient mauvais. Oui. Bougla plein collé. Le papa, il n'y a pas qu'à venir pièce. Faites qu'à aller, pas venir, allez, oui. Mais comment, qui ça qui faut? Oui, depuis moi là, ou pas même dans mon petit cabrit. Pour mes camarades, moi, manger. Mais quand ça fiche sous, attends ça bien, oui, veille. C'est lui qui dévoue bien avec les postiches et tout bagay. Ou tu es plus gros, voa, grag, bali. Fils ou ak. Non, ça bien. Il pas même frère. Je suis pas gardien de mon frère. Bougla pas même parler de comme mon frère est arrivé. Il dit comme ton fils. Vous pas remarquer ça? Ça veut dire que c'est fils ou et pas frère. Mais. Ben dit mon frère parce que moi pas gardien frère moi. Vous comprenez ça? De bien si c'est comme ça nous gâte un à l'autre. Est-ce que aussi gardien frère? Qui gardien ou bon Dieu tenait amen parlant bouche papa que nous gardons papa ou ça là qu'a représenter bon Dieu pour nous. Amen. Amen. Et quand mais frère là t'es perdu. Mais nous vie tout veille. Il était mort, il pas même connaître, il était mort. Tant ça bien. Bougla te célébrer tellement, il savent faire là dans mauvais état hein? Parce que ils savent bien pourquoi il dit il dépasse tout bien avec des prostituées tout. Il connaît tout ça qui veut frère. Frère te fait, il pas jamais il baillon timon se manger. Là nous ga critiquer au monde. Est-ce que nous baillon manger? Là nous ga critiquer au monde. Est-ce que nous baillon boire? Est-ce que nous avons critiqué au monde? Est-ce que nous demandons qui ça qui y veille? Qui problème lui? Est-ce que nous avons critiqué au monde? Est-ce que nous jamais dit qui problème nous a passé ce temps? Est-ce que nous sommes gardiens l'un à l'autre? Voilà, il est important. Nous sommes gardiens l'un à l'autre. On regarde un texte encore. Nous allons Amos 3. Et verset 3. Il pose une question avec Idi. Alléluia. Can two walk together except they agree? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il pose une question. Est-ce que des mouns qui marchent ensemble si ils ne sont pas d'accord? Jamais. Pour être un gardien, il faut que les autres cas d'accord. N'est-ce pas? Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. Deuxième. Ça c'est A. Petit A. Donc il faut que si nous voulons être un gardien, il faut que nous marchions en accord. Mm-hmm. Deuxième. Nous te voyons en disant Ecclésias chapitre 4, verset 4 et 12. Là, là nous lit. Il dit un gardien, ça c'est B. Car relever frère, il est tombé. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Donc, c'est la foi ou tombé, ou car? Oui, lever. Oui, c'est pour ça, nous là, pour nous relever, il y en a l'autre. Petit C, il reste près de son frère. Et rit, ou pas qu'à bailler en chance, ou pas qu'à quitter l'ennemi dévoué, mais ou qu'à rester près pour oué. Il bien protégé en 1 Samuel chapitre 9. Alléluia. Verset 19. 1 Samuel 19, verset 1 jusqu'à 6. Alléluia. Nous, Jonathan, te ka défan Saïoul auprès. Jonathan te ka défan David auprès de Saïoul.
T'as imaginé? Jonathan pas fait ça et Jonathan était triste pour l'état penser papaye auprès David qui bail Israël en grande victoire. Et si vous connaissez l'histoire bien, David bat Israël en grande victoire, tue l'ennemi, détruit l'ennemi. Et puis parce que David commence, maman Israël commence à chanter bah David. Il dit ça il tue mille. David tue 10 000. Vous l'avez dit mauvais. Et vous l'avez commencé à oublier que c'est même David qui était là, je suis avec mauvais esprit, qui est sorti en dedans. Il était apaisé, puis il était dormi, il était tout menti. Il dit tu es monsieur. Il bat derrière tout partout. Et Jonathan était à défendre David. Vous pouvez imaginer? Jonathan. Monsieur est en colère parce qu'il dit Jonathan ou haïmé parce que ou quand péché moi tu es l'ennemi moi. Imaginez. Ça c'est ton gardien. De Jonathan te aimé David, résumé comme Nab lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Il te aimé David comme Nab lui. Il te content. Il te content David. Lis ça pour nous rapidement. Alléluia. Alors, et Seigneur 19, verset 1, Jésus 6. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. » Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Amen, ça a été parole en l'air. Là, on continue à lire. Malgré dit ça, l'esprit a été trop fort en l'air. Il est obligé de tuer. Donc, moi constate où est l'on la haine en tchou, l'esprit qui a tout matou. L'on la haine, la jalousie, colère, dit donc. Il a fort pris sous vous qu'a tué frère. Sans raison. Au lieu où tout bout comme un gardien, ou qu'a poursuivre partout. Continuez li toute l'histoire là, en tout cas. Ou qu'a vu qui manière sa yul bataille bougla pour tuer. Un homme qui baille la victoire. Bien souvent, nous avons moun sans raison. Nous avons nou excès nou sans raison. Ça y fait nous, nous ne savons pas. Parce que nous avons un monde dit. Mais nous ne savons pas plus. Ça, nous avons dit si ça vrai. Et bien souvent, ils mettent nous en barras. Et en confusion. Et l'amour en danger. Parce que nous avons un sans raison. Amen. Nous avons un sans raison. Donc, frères et sœurs, font attention à ça, nous avons dit. Fais attention à ce que nous avons fait. Lorsque nous avons un fouet et que nous voulons détruire sans raison, pas fait qu'on s'aille qui te détruire, détruire David sans raison. Mais fait qu'on Jonathan qui reste auprès de David et défendre auprès de son père. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous avons défendre nous lorsque nous avons la carte éprouvée? C'est ça que nous avons pour faire. Alléluia. Il toujours resté un frère. Alléluia. Il toujours resté des frères. Il toujours resté des sœurs. Peut-être ou pour chercher mauvais côté à pour lui. Bible a parlé, il toujours ni un frère qui a resté plus près même pas frère. Amen, alléluia. Proverbe 18, 24. Alléluia. Alléluia. A man that have friends must show himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother.
Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Il n'y a tel ami qui? Plus attaché qu'un frère. Eh bien oui, il n'y a ami qui est attaché plus près qu'un frère. Nous allons chercher pour amis de les mauvais côtés. Mais l'ami ami qui est plus bon ami avec ou parce que propre frère qui sont en vent toi. Pop frère qui en dedans Christ la même bon là assis là en temple. Mais là ni un frère là bon Dieu metti. Mais est-ce que ou ka wè ami ta là? Un ami c'est pas toujours un monde qui flatte nous. Mais un monde qui veut bien-être nous. Ou pas tant ça. Un ami c'est pas un monde qui toujours flatte nous, mais un monde qui brise qui aime bon-être nous, bien-être nous. Un ami qui a motivé ami lui. Amen. S'encourager mutuellement. Qui a encouragé. Encourager yon à l'autre mutuellement. Motiver ou. C'est ça un ami. L'autre, ben, non frère, nous ça fait. Pas décourager, nous là. Pas quitter, on nous debout. Hébreux 10, 23 à 25. Hébreux 10, 23 à 25. Lui. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle, verset 24, Hébreux 10, et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Prenez garde pour nous exciter à l'amour. Exciter à l'amour. Nous n'y pour ça exciter l'un à l'autre à aimer. Nous exciter l'un à l'autre à l'amour. Ça veut dire que parole qui ca sort en bouche nous ni pour exciter frère qui ca tenir à l'amour avec bonnes œuvres. Est-ce que c'est ça qui sort en bouche nous? Continuez. Pas le rassemblement de nous-mêmes comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Malgré le jour approcher, c'est ça nous a fait frère, exciter l'un à l'autre pour l'amour. Les nous rassembler. Lorsque nous rassembler ensemble, qui parole nous va parler? Lorsque nous rassembler ensemble, chacun nous une, qui parole qui casse dans bouche nous? Lorsque nous pas assembler ensemble, monde qui capte nous, qui sait qu'on casse dans de bouche nous? Parole qui cas motiver yo, encourager yo, avancer, aimer bon Dieu, aimer l'église yo, aimer frère, aimer sœur, et ben parole pour décourager nous, et ben décourager les autres là qui attendent là. Si c'est ça qu'on a fait, ou sont mauvais gardiens. Mais soyez les bons pour encourager. Et nous tout pouvons finir. Alléluia. Un bon gardien qui a couvert la nudité de notre frère. Couvrir la nudité de notre frère. Un bon gardien, c'est ça qu'il a fait. Il a couvert la nudité de frère là. Amen. Oui. Jacques chapitre 2, verset 14 à 17. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un s'il dit qu'il a la foi et qu'il n'est point les œuvres? La foi pourra-t-elle le sauver? Et si le frère ou la sœur sont nus et manquent de ce qui leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez point les choses nécessaires pour le corps, que leur servira? Que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 14 à 17. Oui. Amen. Faut la besoin, oui, nécessaire, oui, dans la besoin. Amen. Mais ça, on va dire. Va en paix. Hein? Allez en paix. Va en paix. Ou qu'a couvert, fois là. Parce que l'amour, c'est ça qu'il a fait. L'amour qu'a couvert, nudité, il y en a l'autre. Il a fait nous. Amen. Mais il n'a pas qu'à nous aller dévoiler, fois là, pas autour, bah, moun. Amen, alléluia. Amen. Ou ça, il est plus facile pour nous dire, eh, ou ça, moi, frère, a tout ni. Soit disant, il a un plan, mais il s'est tout ni là, il vrai. Ou pas honte. Pour mettre la vie dehors, bah, tout le monde,
et qu'on pas fait rien bail ou t'es pour honte. Et comme ça nous garder nous ni l'amour. Nous ni l'amour yon pour l'autre. Mais quand mal parler il parle tout, mais on pas jamais aller vers les fonds bail bail. Des mauvaises compagnons qu'a couyer ça. Moun qui s'élève dans chayo. Un bon gardien ou kaba la vie à foi. 1 Jean 5, 16. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui et il lui donnera la vie, savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort. Pour cela, je ne dis pas qu'il demande. Ça l'autre veut dire, version. Oui. Oui, l'autre version. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, mm-hmm. qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Alléluia. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Si quelqu'un voit son frère pécher, pécher un péché qui pas qu'à mener à la mort, ou qu'à prier bail. Là ni péché comme blasphémé contre le Saint-Esprit. Moun qui a mal parlé contre le Saint-Esprit bon Dieu et bon Dieu qui a tourné l'ennemi. Bon Dieu qui a lâché en fait. Ou le bon Dieu tout venir là Dieu, personne peut pas prier bail. C'est ça nous qu'a prier blasphémé contre le Saint-Esprit. Bon Dieu passe à pardonner ni la tête à ni l'autre là parce que moun pas capable parler mal dit bon Dieu l'esprit bon Dieu le Saint Esprit c'est lui qui a convaincre un homme de péché justice et jugement. Si vous pas comprendre qui ça calant dans l'église fermez bouche ou au lieu blasphémer contre bon Dieu ou qu'a mal parler le Saint Esprit et qu'on pas ça quoi faire et pour bon Dieu pas la peine qu'a pardonner dit pas qu'a pardonner encore c'est péché là. Si on fait comme nous passer, nous passer. Mais quel importe de péché nous est frère à faire? Qui est-ce qu'on fait bien? Ou pas aller bien frère à la vie? Ou pas essayer de relever frère? Ou qu'à prendre un micro, mettant les tattoos et qu'à sonner tout partout. Il a péché, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Ou pas jamais aller, oui? Ou pas même honte de faire ça? Ou pas même honte de divulguer frère partout? Soit disant, voilà la condition nous. Mais nous pas qu'à aller bailler la vie. L'important c'est bafouer la vie. Alléluia. Pas besoin de dire amen. Ça manque à dire amen, sa vie red. Mais c'est vérité. Amen. Mais c'est vérité. Vous ne voulez pas parler vérité, bah alors. Je ne pas venir pour caresser en sens pour là. Amen. Ça douce là, quand c'est en sens près là. Ou qu'on prend douce, ou qu'on dormi. Ça fait du bien. Mais après, toute pisse là, qu'on chou en bas la peau, là. Toute poua qu'on chou en bas, toute tic là, qu'on boit sans, qu'on peut, qu'on mort. Donc, fait l'autre sens là. Et nous qu'on tire les tic, les pisse. Et que ça qu'on peut mettre nous fort. Nous qu'on vivre dans plus longue vie. Alléluia. Amen, alléluia. Le dernier texte, le dernier texte, pour qu'il te voie aller. Le dernier, alléluia. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 16, en fait, Proverbe chapitre 6, pardon, verset 16 à 19. Proverbe 6, 16 à 19. Il y a 6 que bagay que mon Dieu a. 6 things the Lord hates and which destroy friendship between brothers today. Six choses que dont le Seigneur a horreur ou que le Seigneur déteste et qui détruisent l'amitié entre frères aujourd'hui. Amen. Donc ça c'est pas au cas je viens en parmi les frères. Donc Inésis, bon Dieu haïssa et qu'à nous détruire aujourd'hui pour nous payer être un bon gardien. Proverbe 6, 16 à 19. Lis pour nous. Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept
qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Lion, c'est qui ça? Les yeux hautains. Les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est qui ça? Hein? Ou quand toisé, ou quand méprisé, ou quand ou quand well, supérieur. Qui ça nous a dit encore? Fierté. Qui est mon qui, machin, ou quoi au plus haut qui, ou quoi au plus meilleur qui. Amen, alléluia. Soit disant. Ou vin marquer l'on frère ici, et bon vin servir bon Dieu. Ou vin garder qui sa frère a venu faire ici, ou vin garder s'ils sont brigots. Ça veut dire que tous les dimanches, ils viennent avec même linge là. Ou quoi qu'ils sont brigots. Amen, alléluia. C'est ça. Et soit disant, l'on a dit, on brigouille. Cette nuit, c'est ça que j'ai dit. On va y aller. On va y aller. Ça veut dire que tous les dimanches, il y a avec même linge là. Oui. Oui, on va y aller. Parce que son seul soutien. On va faire quoi? Ouais, c'est où qui où? On va traser parce qu'il n'y a pas de monde. Mais spirituellement, même si on va y aller, on va y aller. Alléluia. Il peut y même linge là, mais c'est net. Alléluia. Il peut y même linge là, mais c'est lui qui a loué, bon Dieu. Il peut même le jour en l'œil, mais c'est grâce à la bouillie, l'on vini ou nous, l'esprit mon Dieu qui a manifesté quoi, parce que tu es net, alléluia. Merci Seigneur. De même si vous avez ils sont brigands, ils peuvent son brigands en yeux, mais ils sont soldats de l'éternel, alléluia. De respecter les corps. Et qu'a arrêté de couiller yish bon Dieu brigo parce qu'il pas brigo souvent il met qui ou. Amen, alléluia. Pardon ou la belè. Ou que c'est de la parce qu'il pas parlé, il pas dit rien. Mais de là ou kakadé yon de tout mauvais l'état ou kawa yi mal. Mais de là bon Dieu a fin moutoué toutes conditions. Et de là c'est lui qui l'a kaye tizi de ba ou qui fait bon Dieu bon tué ou. Aïe, aïe, aïe. Même parce qu'il pas dit rien. Il pas moutoué quoi? Il pas fait quoi? Ouais, je suis ci, je suis ça. L'année moun ki ici a tellement bodé ka moutou yo tellement bagay mais yo simplement pas parler mais yo simplement la kapouye comme que c'est mouna ki vini fait parler fait parole tout moun ka moutou yo yo sa parler yo connaître bagay c'est pas ça non mais est-ce qu'on nous l'amour bon Dieu entier est-ce qu'on se gardien fort là continue à nous aller parce que les mains avancent la langue menteuse on l'en menteuse menteuse ouais ça tout ça c'est kay bon Dieu. On langue menteuse, ça a détruit famille, ça a détruit ami. Mon n'a pas douanier, il pas foué. L'ami moun qui a ni gadou et qui a jugé, il a fait mal. Frère qui a ni gadou et qui a fait mal, oui. Et puis là, fini, il a dit, où ça va tel moun tel et tel. Et là, on comprend. Ou quand si vous avez question, bah, il y a. Et bien, il tente, on finit à faire là, comme ça. Et puis, il a dit, et tout le monde a dit, qui ça vous fait? Rien du tout. Amen, alléluia. Moun ka commencé wa son moun infréquentable. Qui ça? On parole inutile moun parlant non. Akay bon Dieu bani ça. Merci Seigneur. Ou c'est bon moun. Alléluia. Merci Seigneur pour les Martiniquais. Mettez la main ensemble pour autres. Ou c'est bon moun, alléluia. Ou pas mal parler moun. Merci Seigneur. Mais si en tous les cas ou ka mal parler moun, nettoyez la nou. Alléluia. Nous avons un créole Sainte Lucie qui dit filer l'angou cette fois. Et qu'on rap, bien rappé, propre, net, blanc. Pour l'air où il a coupé ses paroles, bon Dieu, qui a coupé l'ennemi. Ou qui a parlé paroles, qui a taillé Satan. Oui, on va aller, l'autre texte là. On va aller. Les mains qui répandent le sang innocent. La main qui répond le sang innocent. Qui ça fait la faire? Comprendre que c'est innocent, c'est uniquement point au couteau et en a blanche et puis tuer quelqu'un, ben là m'a fait détruire mes langues. Ça nous a parlé avec langues. Bien souvent, nous avons tué avec langues. Nous avons détruit avec langues. Langues nous avons mis nous dans un mauvais état. Nous avons ouais, dit nous, langues nous avons pris force en l'EGN, dans Jacques. Amen, alléluia. Oui, non, non. On va aller. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Ou qu'a produit. Fais que ça. Méditer. Des projets iniques ou des projets d'iniquité. Oh yo yo. Ou l'amour va faire projet qui ça va faire qui pas bon. Imaginez.
Ah ouais, depuis tant en attendant dans les bon Dieu, il va caban moi, moi Seigneur, moi ni mal était comme ça. On ni mal était comme ça. Servir bon Dieu, servir bon Dieu, servir bon Dieu, rien que ça. Venez au temple, bien ça. Mon Dieu connaît. Ça pas quitter Satan mettez projet et tout. Là ouais, c'est projet à venir chasser. Pas que Satan mette bêtisé, mais quand il faut commencer à faire projet à l'homme monde. Et puis là, les Satan là, ou a fait des bagailles avec ces détruits qu'a détruit. Non, pas que Satan fait des projets. Alléluia. Continue. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ouais ça? Pieds qui courent au mal. Ça qui mal, vous comprenez ça? Depuis qu'on vient dans ce stade-là, c'est le méchant. Donc, ne suis pas des gens qui sont comme ça. Non, pas suivi. Des gens qui sont comme ça, non. Yo est fréquentable. Pas suivi parce que ça a détruit nous. Puis yo toujours pareil pour courir en mal. Depuis son bail qui mal, yo pressé. Mais depuis son bail qui bon, yo va faire bac. On ne sait bon Dieu, on fait bail. Qui monde qui veut faire ça, pas bon Dieu. Mais debout, si on bail qui pas bon, brrr. Oui. Bah, j'aimerais ça. Comme mon longtemps qui dégale en bas pied mango, il cherchait mango longtemps. Pas connaître ça? Et tout le monde dégale des bonnets quand il cherchait mango. Là où on l'autre qu'a venu, on croit qu'il est en coup de bouboules. Les premiers points. Pas connaître ça? Et pas connaître ça, Aldo? Tenez souffrance. Amen. Avec les premiers monde qui a levé bonnet à chercher un mago. Là où on l'autre qui a venu, on a parti courir. C'est pour un sac ou pas de temps pour garder. C'est là où il veut qu'il a tiré. Ça qui est bon et ça qui va bon. Les premiers points. Vous ne connaissez pas ça. Où est-ce que Martinique n'a pas j'ai un souffert. Vous connaissez ça? Alléluia. On a pris la nuit. Mauto n'est plus battu toujours. Mauto dit c'est la nuit que tu as passé. Bah les gars, même temps je ouvre Mauto. Amen, alléluia. Mamaï, servir bon Dieu, c'est diligence. Servir bon Dieu, c'est faire violence. Servir bon Dieu, c'est ouais que faut là avancer avec vous. Pas quitter l'ennemi pour détruire. Être un gardien, un bon gardien. Alléluia. Nous voulons finir le dernier texte. Nous avons fini? Non, verset 19. Uh-huh. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Ouh, faux témoin qui fait? Qui dit des mensonges. Mais là, c'est ça, il dit. Mais c'est de là, là, où qu'on pasteur a dit. Yo, mon n'a pas écouté prédication. Et qui a écouté de là, en cette fois là, Satan a gagné en dehors, parce que tout le monde a été là qui a parlé. Et quand dit, où ça passe à dire tel bagaille? Et quand dit, comment depuis qu'il a passé à dire ça? Mais oui, mais il a dit ça, c'est ça il dit. Mon enfant, on sel et qui tourne. Eh bien, où ça fait à dire tel bagaille? Mais mon enfant, jamais dit qui ça ou dit, qui ça il dit, et où répondre. Mais il a dit qui ça ou dit, et qui a fait tout en phrase. Et que les gens ont ça. Il va dire, ouais, frère, soit disant, on a un ancien qui a dit ça, hein? Soit dit ça, son Jack dit, soit dit ça, pasteur dit, qui a dit ça. Voilà, les comme ça. Avec mauvais paroles, avec monde qui a commencé à voir mal. Et bon, frère, c'est Allah, il n'a pas dit personne rien. Ou ça, c'est comme ça, mauvais paroles qui appartient à l'église. Et au lieu de nous grandir, nous avons détruit un autre. Donc, frère, ça c'est des bagailles que bon Dieu dit il haït. Ça bon Dieu dit il fait ça? Il haït ça. Ça veut dire que ça c'est moun qui pas fréquentable. Ça c'est des mauvais compagnons. Donc s'ouvre les compagnons bien-aimés, prends soin des frères. Garde contre frères. Respecte frères. Alléluia. Fais ça. Respecte frères. Aime frères. Chéri frères. Les fois où tomber, lever fois. Mais pas quand des mauvais compagnons comme ça, qui ont prodigé des mal, des projets, les têtes moun pour détruire, ça a détruit l'église. Voilà les trucs qui détruisent l'église. Donc, bien aimé, il y a de nous qui s'ennuyer. Nous ne pouvons pas lever yon à l'autre. Aimer yon à l'autre. Gouvernité yon à l'autre. On nous lever debout en nous prier.
chaque genou qui a parlé, fais attention à ce qu'on a dit. Est-ce que ça, moi, qu'a dit? C'est un bagage qui a encouragé, frère, moi? Eh bien, est-ce que c'est un bagage qui a détruit? Avant d'agir, réfléchis avant. Avant de parler, pensez. Avant de dire un bagage, gardez si c'est un encouragement pour frère. Eh bien, est-ce qu'il a détruit, frère? Seigneur, merci, Seigneur, pour parole. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité envers tes enfants. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, que tu touches nos cœurs. Permette, Seigneur mon Dieu, nous sommes des vrais, ô Seigneur mon Dieu, gardiens pour nos frères, nos sœurs, Seigneur. Papa, nous avons prié en nom de Jésus, nous avons détruit tous les plans, tous les projets que Satan a. Pour ça, séparer nous entre les frères. Papa, ou pas vous devez nous vivre derrière. Ou pas vous devez nous faire, Seigneur mon Dieu, paix, alliance avec les mondes là. Qu'a attaché quand nous abaye les mondes là encore. Avec pour mener nous en arrière, qu'on parole ou dit nous. Mais ouvrez-nous des vrais gardiens. Des hommes, des femmes de bout. Des hommes, des femmes. Qui a du bout avec Marie nous. Qui a du bout avec Madame nous. Des bons gardiens. Qui a du bout avec frère nous, qui a du bout avec sœur nous, qui a du bout et puis c'est des collègues nous, des ouvriers ensemble qu'on nous, parce qu'on dit nous, dans le même passage là, Seigneur mon Dieu, qui passait, deux, trois jours qui passaient, Seigneur, nous c'est ouvriers, co-ouvriers avec Christ, et nous quatre travaillons ensemble avec un à l'autre. Aidez-nous comme des bons ouvriers ensemble, nous qui veillons les uns à l'autre, nous qui des bons gardiens. Des gens qui ont un bon encouragement pour encourager frère nous, encourager c'est nous. Nous ne sommes pas un mauvais gardien comme Caïn qui te préféré de tuer frère parce que Zèvre était mauvais. Mais aidez-nous, Père, tous les jours. Ce n'est pas simplement avec âme, des âmes nous avons tué les gens. Mais aidez-nous même, côté nous avons préféré la vie au frère nous. La vie parce qu'on dit. Pouvoir la vie et la mort, il y a dans la langue nous, et mon qui aime la caille manger fruits. Nous choisissons de parler bon bagay, à ce frère nous, c'est nous. Encouragez-y, parler des choses qui caille bayo la vie, qui caille, Seigneur, aidez-y, qui caille encouragez-y de avancer. Mais pas des choses qui caille tuer un à l'autre, qui caille détruire un à l'autre. Nous lier toute vie et puissance au nom de Jésus. Et nous prions côté lorsque nous sortons ici. Nous devons garder comme nous, comme des gardiens, frères, nous, excès, nous. Nous devons protéger nous. En nom de Jésus, nous prions. Et pour gloire. Amen. Alléluia. Merci, soyez bénis. C'est aussi.